Et bonjour Internet, bonjour les amis Skaz, bienvenue sur Waven. On continue la découverte de cette démo Waven, le futur jeu, le nouveau jeu d'Ankama. Ankama, vous savez, c'est Dofus, c'est Wakfu. Et là on est sur Waven, j'aime beaucoup le concept. Donc on continue, on va essayer de trouver des quêtes. Il y a beaucoup de quêtes qui sont malheureusement pas disponibles pour cette démo. Tiens, il y en a une qui vient de pop, on va aller voir. On va aller voir ce que c'est. Hop, une quête de niveau 2. Ah bah j'ai déjà fait. En fait on peut la refaire. Niveau 3. Niveau 3, récompense bonus. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des quêtes qu'on peut refaire. Certes, on va rentrer dans les maisons. Ah, ici, je ne l'ai pas fait celui-là. Don Eagle, cette fois tu dois rester à la maison. Tiens, voyons voir ce que c'est. Quête de niveau 3, l'île toile. On y va. Je ne connais pas. Ah, je vais peut-être t'accompagner cette fois-ci. Cousez cette bête. Bonjour, je suis Loti et... Mes sœurs, enfin. Ok. Quoi? Non, non, attends. Bon. Les sales bêtes. Allez, ouf. Challenge. Ce combat ne peut pas proposer de challenge. Ok, bon, tu vois. Alors. Elle, elle peut attaquer. C'est très bien. Un sinistre au feu. Alors, dégâts plus huilé. On va faire ça. On va huiler la grande. Hop là. Et on va faire pop un sinistre au feu. Ici. Et je peux faire pop mon nugget. Qu'on va mettre un peu en arrière et qu'on va faire combattre juste après. Fin du tour. Je suis Ariacné, fille d'Arachné, sœur d'Arachné. D'accord, ok, super. Bon, ils m'ont pété mon sinistre au feu, ça sert à rien, comme d'hab. Tac. Inflige un set de dégâts aux adversaires autour de votre héros, non. Inflige un set de dégâts et un pic éventé. Ça, c'est bien, ça. Donc, est-ce qu'elle peut être huilée et éventée, cette personne? Oui, multi-effet. Autant te dire qu'elle va prendre cher. Autant te dire qu'elle va prendre cher. Autant te dire qu'elle va prendre cher. Donc si j'ai un truc qui huile ou qui rebondit, c'est bon. Peut-être qu'elle meurt pas, elle, non? On s'en fout qu'elle meurt. Immobilise l'adversaire qui le déclenche. Piège. Ah, rebondit si la cible est éventée. Je vais le faire tout de suite. Regardez. Bam. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça c'est bon, mais c'est pas non plus ouf. Je peux pas faire plus. Je vais faire pop un merdier là. Bon, je me sacrifie. Je m'immobilise, c'est pas bien grave. Toi tu attaques ça. Et les petits, vous attaquez ce gros merdier qui est là. Ok, on est bien. Pour l'instant, on est bien. Ah, c'est pop en boucle des petites, des mini-araignées là. C'est chiant. Oh là le bordel. Faudrait se faire la grande là. Elle a plus de 85 PV, ça se fait. Hein. Ah, inflige des dégâts plus des dégâts si huilés. Normalement. Ah, elle est plus huilée. Oh merde. Oh la déception, elle est plus huilée. Oh merde. Bon, je vais faire ça et je vais me rajouter de la. Quoique je peux pas mettre en ligne. Si, regardez. Lui, je le mets là. Moi, je me mets ici. Du coup, je suis en ligne. Je fais ça. Boum. Elle a plus que 29 PV. Prochain tour, elle est morte. Prochain tour, on tue la grande. Il restera 2-3 petits. Oh là là. Oh là 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 là. Affiche un set de dégâts aux adversaires autour de votre héros. En gros, il faudrait que j'arrive à passer là-dedans. Mais ça va pas le faire. Je vais faire ça, regardez. C'était nul. C'était nul. Je vous l'accorde, c'était nul. 11 PV, tu peux le chercher. Oh, ok, ça c'est fait. Allez, il ne reste plus que deux petits.
que 29. Par contre, lui, il va mourir. Enfin, elle. Elle est morte, j'espère que ça me fout pas en l'air ma quête. Non. Très bien. Bon, voilà, il n'y a plus qu'un. Hein. Toi, adieu. Et toi, adieu. Et ça, c'est fait. Voilà, notre quête de fête. Il y a moins que je passe niveau 4 avec tout ça, non? Ah bah non, c'est pas fini, il en reste un. Ah zut. Bon bah, c'est pas grave, regarde. À 54 quand même. Bon. Je l'ai pas vu celui-là. 46. Bon, écoute, je vais te huiler, hein. Ça sert à rien, mais... Ok, ça c'est fait. Niveau 4, cool, je choisirai un sort. Sablier mécanique, des dégâts, moins un point de mouvement sur la cible. Explosion temporelle, 8 dégâts, et explosion autour de la cible ciblée, ça je prends. Et plus 5 points de compétence. Et encore des kefs, des loot, des kamas, et tout le merdi. On va voir ça. Eh bien, ce n'est pas vraiment un succès. Mais je suis sûr que tout n'est pas perdu. Vous l'avez vu aussi. Elle commence à m'apprécier. Oui. Je retournerai la voir bientôt. D'accord. Étonnant. Oh, j'ai reçu un truc. C'est quoi? Journal de bord, j'ai gagné un drapeau astrubien. Ok, parfait. Alors, coffre d'équipement. Oh. Anneau Strogoth. Geyser, inflige 15 points de dégâts autour de votre héros. Vol de vie si 3 adversaires sont touchés. Geyser se déclenche autour de votre héros si un sort feu est joué avant ou après un sort haut. Waouh. Ça, alors ça c'est compliqué. Faut l'anticiper, ça. Coffre de sort. Ah, je vais prendre ça. Comme ça, je peux améliorer mon flamèche. Et enfin, coffre de compagnon. Ah, oh, il y a un compagnon élite, enfin, épique. Corbeau noir, attaque, inflige son attaque aux adversaires dans la ligne devant lui. Je prends ça. Ok. On va faire notre équipement. Je vais améliorer ma flamèche. Bon, par contre, c'est dur d'avoir des camas, j'ai l'impression, dans ce jeu. Hein. Donc... Explosion temporelle, je le virerai à la place de d'un truc que j'utilise pas. Hop, voilà, c'est mon build de feu. Et à mon compagnon, corbeau, je vais mettre ici. Et j'ai un équipement là. Voilà, là je suis bien, je suis équipé, je suis chaud. Attends, j'ai quand même des points de compétence que je vais pouvoir mettre. Augmenter les points d'attaque ici. Alors, est-ce qu'on a peut-être une petite quête à faire? Rentrons quand même dans les maisons. Il y a peut-être des quêtes dans les maisons. Espèce de shop avec personne. Ça, c'est quelqu'un qui fait une emote. D'accord. Non, je sais pas si dans le jeu il est prévu qu'on puisse interagir avec des marchands ou quoi. Pour l'instant, il y a peu d'interactions à part lancer des quêtes. J'ai l'impression que les PNJ te donnent pas grand chose. Peut-être plus tard. Bon, là, il y a rien à part un chat. Là, il y a une quête non disponible pour cette démo. Rentrons ici. Alors, lui, il a stick, mais il parle pas. Ok. Allons voir ici. Puis, on va aller voir aussi Martin le marin, s'il me dit quelque chose. Non. Alors, Martin, à mon avis, il va me dire j'ai rien à te donner pour cette démo. Non, il parle pas du tout, même. Est-ce que je peux aller dans ce... Non. La fleuriste. Non. On va rentrer par ici. Ah. Ah, voilà une quête. Le marais fangeux de niveau 4. Cool, on y va. Ouh, partez. Oui. D'accord. D'accord. Mais non, en fait. Alors, une grosse bestiole. Avec deux, trois bestioles. Ok, c'est parti. Challenge, j'en ai pas. Ouh, on se concentre. On va essayer d'huiler un truc. Je vais tuiler le... Celui-là. Je vais tuiler celui-là. Et au prochain tour, je lui cale ça. Et je le fume.
Allez, ça, je réfléchis même pas. Boum. Il a 19 PV. Je l'attaque. Il est mort. Je fais pop un petit merdier. Et je tue les asticots, là, avant qu'ils commencent à les manger pour faire des points. Parfait. On va huiler un autre. Je vais faire la même. J'ai huilé celui-là. J'ai huilé celui-là. Le sinistro, je n'ai pas compris. Ok, bon, c'est pratique finalement. Je peux pas faire pop de monstre. Je vais l'attaquer. Très bien. Ah. On déclenche l'explosion autour de la cible si huilée. Regardez. Boum. Ça, c'est bon, ça. 14 PV quand même. Ok. C'est terminé. Il me reste un asticot et le gros. On y va. Il reste plus que le gros. Il reste plus que le gros, c'est parti. Affiche de dégâts d'Avsayoto. Rebond. Bon, bah on va faire du dégât comme ça, de vent. De nature. Comme ça, je fais pop un petit bestiau là. On est bien. Là, on est bien. Là, clairement. Ah, tous mes persos n'ont pas joué, excuse-moi. Allez, il lui reste plus que 99 PV. Prochain tour, je pense que c'est terminé pour lui. Ok. Je peux faire un 4 et un 3 vu que j'ai un truc en réserve. Allez, je vais faire ça. Moins 29. Je récupère ça. Hop, moins 23. 60. Attaque. Il lui reste. Ah, 6 PV, c'est dommage. Mon prochain tour, je lui fais un coup de bâton. Et c'est terminé. Et on n'en parle plus. Hop, voilà. Boum! C'est pas mal, bonne chose de faite. On est bientôt au niveau 5. On va récupérer les coffres. C'est parfait! J'ai tout le nécessaire pour finaliser mon travail. Merci à vous. C'était vraiment très généreux de votre part. Je t'en prie, ma grande. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une potion. À bientôt! Ah, je peux lui parler pour une potion ou pas? Non. Bonjour! Okay. En quoi puis-je vous aider? Comment? C'est vous qui me proposez votre aide? Eh bien, je dois dire que vous tombez à point nommé. Il me manque justement un ingrédient pour terminer ma potion. Ok, mais... donc il blablate mais il ne vend rien. Dommage. Allez, qu'est-ce qu'on a de beau? Un anneau minéral. Début du tour, plus 10% de dégâts de vos sorts hauts. Bof. Bon, je vais le prendre quand même, on sait jamais si je respé. Ensuite... coffre de sort. Ah, je vais pouvoir améliorer la frappe temporelle. Quoique. Chronophagie. Inflige 10 points de dégâts autour de l'un de vos sinistres. C'est pas mal ça, je prends. Et enfin. Compagnon. On aura un bleu. Deux bleus. Un chouchir ou un rémus. Tiens, je prends le rémus. Et ben voilà, ça c'est fait. Hop. Et ben les amis, voilà qui conclut le petit tour sur la démo de Weaven. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir, moi je vous dis à très bientôt, bye tout le monde, c'était Kaz.